Es geht um Wissenschaft. Der Talk heißt Die dreckige Empirie. Die Wissenschaft ist eine von vielleicht zwei Methoden, aber immerhin die beste Methode, die wir überhaupt uns ausgedacht haben, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Wie geht Wissenschaft? Wenn ich sage, im Kühlschrank ist noch Bier, könnt ihr mir das glauben? Das ist dann Religion. Wenn ihr aufsteht und nachgucken geht, ob im Kühlschrank noch Bier ist, ist das Wissenschaft, und zwar Empirie. Denn die Wissenschaft trifft Annahmen über die Realität und versucht dann diese Annahmen durch das Gewinnen von Daten, also nachgucken, ob im Kühlschrank noch Bier ist, in irgendeiner Form zu bestätigen oder zu widerlegen. Jetzt könnte man eigentlich sagen, das ist ja eine prima Sache, also glauben wir der Empirie. Das Problem ist jetzt, und das ist zum Beispiel auch ein Problem, das die Psychologie insbesondere hat, und deswegen ist es ganz angenehm, dass wir eine Psychologin hier haben, die sogenannte Replikationskrise. Das heißt, es gibt jede Menge empirische Studien, da kommt ein Ergebnis raus, alle P sind Q. Und wenn man es dann versucht zu reproduzieren, dann kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Das heißt, im Zweifelsfall könnten wir den Studien, die wir da lesen, und vor allen Dingen den Dingen, die wir über diese Studien lesen, nicht trauen. Und da könnt ihr mir vertrauen, denn ich bin Wissenschaftsjournalist. Wie ihr trotzdem rausfinden könnt, ob eine Studie funktioniert oder nicht, das erfahren wir hoffentlich jetzt, denn Eiko hat einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ja, auch von mir erstmal guten Morgen. Willkommen. Bonjour à tous. Bienvenue à ma conférence sur l'empirie sale, l'empirisme sale. D'abord, je voudrais préciser, je ne sais pas dessiner. Mais en réalité, mon introduction porte surtout sur la raison de cette conférence. L'image dit, il y a tellement de gens ici. Et personne n'aide personne. Est-ce que tu connais pas l'effet du témoin? Quand il y a beaucoup de personnes, personne n'aide les autres. J'ai lu ça dans une étude. Et voilà la réaction qui m'énerve. Ça peut pas être vrai. Souvent, au congrès, on m'a aidé. C'est pas possible. L'étude de Borges et Pentra a découvert que les gens dans les groupes aident plus facilement les autres. Et la dernière réponse, ne fais confiance à aucune statistique que tu n'as pas falsifiée toi-même. Voilà pourquoi j'ai réfléchi à ces questions auxquelles je voudrais répondre avec vous. Est-ce qu'on peut faire confiance aux études empiriques? Comment fonctionne la science empirique? Que disent les études? Qu'est-ce qu'une bonne étude? Et quelles sont les différences? Et qu'est-ce que je fais si j'ai des résultats différents dans une même étude? Et en conclusion, on va se pencher sur les problèmes que connaît actuellement la science. En ce qui me concerne, je m'appelle Anna Klinghoff, je suis psychologue. Je travaille en ce moment à l'université de Kassel. Et je suis dans le département de la technique en machinerie. On s'occupe beaucoup de techniques et des relations entre les machines avec les humains. Pour que tout cela ne soit pas trop aride, j'ai ramené une étude sur sur l'hypothèse du facial feedback. L'idée est que le visage a une influence sur les émotions. C'est une hypothèse assez intéressante, à mon sens. Et on postule que le sourire augmente la bonne humeur. Le fait de ne pas sourire diminue ma bonne humeur. Lorsque cette étude est sortie, il y avait deux explications. D'abord, le côté cognitif, c'est durchgehend selbst und wenn ich lächle, dann schließe ich daraus, dass ich sehr glücklich bin. C'est la conscience qu'on a de soi. Si je souris, c'est que je suis heureux. Et il y a également une explication physiologique. Les muscles qui contrôlent le sourire sont liés aux hormones responsables des émotions. J'ai trouvé des études très intéressantes à ce sujet.
notamment une de Fritz Strack, qui essaye de trouver laquelle de ces deux théories est la bonne. Je vais maintenant analyser cette étude et on va essayer de comprendre comment fonctionne la science empirique. L'idée est que faire confiance est quelque chose de différent de comprendre. Je peux ici vous dire qu'on peut faire confiance en cette étude, mais au final, on n'aura pas avancé. Alors que si on comprend cette étude, eh bien, on pourra plus facilement déterminer laquelle est juste. Je vais ici plutôt me pencher sur les études quantitatives. Le contraire du quantitatif est la recherche qualitative. Darum soll es heute nicht so sehr gehen, nur damit sich hinterher keiner beschwert. Okay. Was brauchen wir, de quoi avons-nous besoin pour cette étude empirique? D'abord, il faut une hypothèse. L'hypothèse ici serait le sourire renforce le bonheur et les émotions positives. Ensuite, il faut une expérience. Dans la plupart des expériences, le processus se ressemble. Tout d'abord, il faut trouver des personnes sur qui on teste nos hypothèses. Ensuite, il faut manipuler. Ça a l'air assez grave, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Il suffit simplement de faire en sorte que les gens sourient ou ne sourient pas. Voilà ce que j'entends par manipuler. Ensuite, il faut mesurer. Ici, on va mesurer les émotions positives. Ensuite, il faut comparer tout ça, et pour cela, j'ai besoin de statistiques. Je vous rassure, il n'y aura pas de formule mathématique dans mes diapositives. Alors, parlons de nos cobayes. Dans un monde idéal, on pourrait essayer l'ensemble de la population humaine. Bon, en réalité, c'est impossible. C'est pour cela qu'on va essayer de sélectionner un grand nombre de personnes. On va essayer de choisir arbitrairement des personnes sur qui on va essayer nos hypothèses. Dans l'idéal, on aimerait avoir un échantillon représentatif. Un échantillon qui représenterait donc la population dans son ensemble. Il faudrait un nombre égal d'hommes et de femmes, tous les âges devraient être représentés, mais malheureusement, c'est assez difficile. Donc, en réalité, on va essayer, par la théorie, de répondre à cette forme de biais. On va simplement se dire qu'il n'y a aucune raison pour que les résultats soient différents en fonction des hommes et des femmes, par exemple. En général, on essaye surtout de sélectionner en fonction de la volonté des gens, parce que ceux qui ne veulent pas participer à une étude sont simplement de moins bons échantillons. Si je choisis un échantillon réduit sur un grand groupe, eh bien mon échantillon sera peut-être un petit peu plus réaliste, parce que sur 100 000 personnes, en choisir 10, c'est totalement arbitraire. On va encore en parler plus tard, mais ici, pour mon étude, j'ai étudié 92 personnes dans mon échantillon. Passons à la manipulation. Est-ce que quand quelqu'un est plus heureux, il va vraiment sourire ? Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait que le sourire qui change et rien d'autre. Si certains voient un dessin animé différent des autres, eh bien, peut-être que ce sera autre chose qui les fait rire. Ce qui est également important, c'est qu'il ne faut surtout pas mentionner que l'objet de l'étude est le sourire. Parce que sinon, ça pourrait introduire un biais dans notre étude. Il ne faut surtout pas que notre échantillon pense qu'il doit sourire pour notre étude.
klasse von der Durchführung ist, finde ich. Und zwar haben die sich gedacht, wie machen wir das, ohne den Leuten zu sagen, lächeln? Wir lassen sie einen Stift in den Mund nehmen. Alors, il a fallu essayer de faire en sorte que les gens utilisent les mêmes muscles que pour le sourire. Et donc pour cela, dans la manipulation, on a essayé de faire en sorte qu'ils soient poussés à sourire. En l'occurrence, on leur a donné un crayon. Et quand on met le crayon entre les dents, eh bien, on utilise les mêmes muscles que pour le sourire. Alors que si on met le stylo entre ses lèvres, eh bien là, on fait le même visage que lorsqu'on est malheureux, quand on ne sourit pas, quand on est énervé. Da kriegt man die Leute dazu, entweder zu lächeln oder nicht zu lächeln, ohne ihnen das zu sagen. Et donc, on arrive à faire en sorte que les gens sourient ou pas, sans leur dire. Je trouve que c'est absolument génial. Welche der beiden Theorien trifft eigentlich zu? Alors, maintenant, si on donne une raison aux gens pour laquelle ils font ce visage, eh bien, ils vont s'en rendre compte et ils ne vont pas se dire qu'ils utilisent ces muscles-là pour sourire, mais parce qu'ils ont un crayon dans la bouche. Donc, on va ensuite en déduire que ceux qui se sentent plus heureux le sont parce qu'ils ont utilisé les muscles à la commission de leurs lèvres. Ensuite, on arrive aux mesures. Il y a un gros problème dans cette étude, on ne peut pas mesurer les émotions. On ne peut pas prendre un thermomètre et dire « Ah, il est heureux sur une échelle de 0 à 10 ». Il faut pouvoir mesurer ça de manière indirecte. Et donc, en général, on fait un petit questionnaire et puis ensuite on déduit leur état d'esprit. Puis, puisque notre hypothèse est que les émotions sont renforcées, il faut rendre les gens heureux. Mettre une bonne ambiance, par exemple. Ici, on l'a fait de la manière suivante, on leur a montré un dessin animé rigolo. Je vais maintenant introduire un mot qui est important pour mon étude. C'est le mot de l'opérationnalisation. Il est important parce que cela signifie qu'on rend quelque chose mesurable. Mais il faut garder à l'esprit que lorsqu'on mesure des émotions, lorsqu'on mesure quelque chose en psychologie, c'est toujours inexact. C'est d'autant plus vrai lorsque je ne mesure pas l'objet de mon étude directement, comme par exemple les émotions. Il faut garder à l'esprit qu'il peut y avoir des erreurs. Je vais maintenant résumer l'expérience. Les Kobe ont reçu un stylo qu'ils ont dû mettre entre les dents, entre les lèvres ou dans la main. Ce troisième groupe, avec le crayon dans la main, ne constitue que le groupe de contrôle. Ensuite, ils doivent regarder un dessin animé et dire sur un questionnaire s'ils sont de bonne humeur ou pas. Alors bien entendu, il faut avoir une couverture, donc il faut leur raconter une histoire quand ils arrivent au laboratoire. Ici, on a dit quelque chose sur les personnes en situation de handicap qui écrivent et qui mettent le crayon dans la bouche à cause d'un tic, par exemple, et donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Arrivons-en aux comparaisons. Je vous rappelle que je ne veux pas vous faire faire des opérations mathématiques compliquées ici, je veux simplement vous raconter le déroulement d'une expérience en psychologie. Alors, nos cobayes ont ensuite répondu au questionnaire en disant s'ils se sentaient bien ou pas, s'ils étaient de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Ensuite, on a fait une moyenne sur notre échantillon.
verstanden haben, ist höher. Super, Studie bestätigt. Nee, das wäre ein bisschen zu einfach. Alors, une fois qu'on a cette moyenne, on peut en déduire quelque chose. On déduit une conséquence de notre hypothèse. Mais en réalité, non. Malheureusement, ce serait trop facile. La raison est qu'il y a trop d'erreurs arbitraires. Et ensuite, je vous rappelle que nous avons ici qu'un échantillon, pas la population totale. Il faut donc différencier les résultats où il y a vraiment une relation de cause à effet, ou est-ce que c'est simplement le hasard ? Voici un tableau qui vient de l'étude que nous avons vue au début de ma conférence. Ici, il y a Mean Funniness, l'avant-dernière, qui contient certaines valeurs. Ensuite, on compare. Alors, il faut sélectionner une opération statistique. Il y en a plein. La plus connue est probablement le t-test. Là, on compare de moyenne. Ici, on ne peut pas parce qu'on a trois groupes. Il y a les dents, les lèvres et la main. C'est pour ça qu'on a fait une analyse des variances. On en a fait une en particulier qui s'appelle les contrastes planifiés. C'est là où on a un schéma avec plusieurs, ou plutôt on a un plan avec plusieurs valeurs. La question est la suivante. Est-ce que les valeurs sont différentes par hasard ou est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre la différence des valeurs ? Et alors, quelle est la probabilité qu'il y ait vraiment une tendance qui sorte de toutes ces valeurs ? Alors voilà mon analyse des variances. Ce que je peux faire ici, je peux calculer la variance. C'est pour ça qu'on parle d'analyse des variances. C'est la différence des valeurs au sein même de mon échantillon. Donc c'est la différence qu'il y a entre un point et la moyenne. La formule n'est pas très importante. De cela, il y a sort une valeur, et ça c'est la variance. Puis il y a la variance différenciée. Là, je peux de nouveau calculer une variance. Donc, la différence qu'il y a entre les différents groupes par rapport à une valeur moyenne. Ces variances, je peux les lier entre elles. Alors, est-ce que je peux dire que la variance de mon groupe est gigantesque ? Ça veut dire que les gens de mon groupe sont complètement différents. Et on peut également dire si la différence entre mes différents groupes est grande ou petite. Donc s'il y a une énorme différence entre mon groupe des lèvres et mon groupe des dents, si je mets ça en si je fais un lien entre ces deux valeurs, je peux regarder les différentes valeurs et je peux voir la probabilité que mes résultats soient le résultat du hasard. Alors bien entendu, il y a plein de formules, mais en général, ça suffit pour voir ce qui vient de se passer devant nous. Et alors on peut dire si c'est du hasard ou pas. Alors sur les contrastes planifiés, voilà un schéma. On a le groupe avec la main au milieu. À gauche, les dents. À droite, les lèvres. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats ? On a calculé la probabilité que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Alors, bien entendu, être sûr à 100% est assez irréaliste. D'ailleurs, je dois avouer que ce serait assez effrayant si on avait une certitude de 100%. En général, il y a
une probabilité d'erreur de 5 à 1%. Cette probabilité d'erreur se mesure et c'est ce qu'on appelle la valeur P. Si P est inférieur à 0,05, eh bien, je vais désigner mes résultats comme étant significatifs. Et je vais pouvoir dire que j'ai raison et que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce mot significatif veut dire que ce n'est pas sûr à 100%, mais il y a quand même quelque chose derrière. Donc on peut faire confiance à cette étude. Ici, ma valeur P est de 0,03%. 0,03, donc 3%. Résultat, notre test est significatif. La différence mesurée est probablement due à notre manipulation. Et donc, puisque on a fait en sorte que les gens n'aient pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, on peut dire que notre théorie physiologique que j'ai énoncée au début est probable. Ce n'est pas une preuve que c'est vrai, mais il n'y a pas de preuve du contraire. Et donc, cela soutient mon hypothèse. Voilà ce que j'ai à dire sur les études empiriques. Vous pouvez lire cette étude. Et maintenant, je voudrais discuter avec vous de ce qui constitue une bonne étude. Donc, une bonne étude. Pour résumer un petit peu, il faut une bonne opérationnalisation, un bon groupe de tests, de la bonne statistique, différencier la corrélation et la cause, et éventuellement aussi un facteur d'impact et des peer reviews. Qu'est-ce qui est une bonne opérationnalisation ? Par exemple, des tests standardisés, une bonne explication de la mesure et des critères de qualité. Donc, pourquoi la mesure est valide et ainsi de suite. S'il y a aussi un manipulation check, c'est aussi bon. C'est-à-dire si à la fin de l'étude, les gens regardent bien si la manipulation qui a été faite a bien aussi conduit à ce qu'on voulait atteindre. Ça peut être aussi intéressant de chercher d'autres études et de comparer les mesures qui ont été faites, les systèmes de mesures qui ont été utilisés. Pour un échantillon test représentatif, il faut avoir à peu près une trentaine de personnes par groupe. Ce n'est pas toujours possible de trouver 30 personnes par groupe. L'autre problème, c'est aussi que souvent, on utilise des étudiants pour les échantillons, ce qui peut être un problème si on peut penser qu'il y a des différences entre des étudiants et le reste de la population. Par exemple, par rapport à des vues politiques, on pourrait penser que des étudiants sont un peu plus à gauche que le reste de la population. Und was auch sehr sinnvoll ist, ist, wenn in dem Artikel in der Studie irgendwo drin steht, wurde überprüft, ob die Versuchspersonen durchschaut haben. Et dernièrement, il faut aussi se poser la question si les cobayes ont compris le but de l'étude ou si la façon dont on a caché le but de l'étude a fonctionné. Il faut aussi que la statistique soit correcte.
3, 1 mit 3, dann habe ich ganz viele Tests gerechnet statt einem großen. Donc il faut faire il ne faut pas faire plusieurs petits tests parce que dans ce cas-là, j'ai une grande probabilité d'erreur, les probabilités d'erreur vont faire une somme qui est beaucoup plus grande. Ob etwas das richtige statistische Verfahren ist, ist mais c'est toujours difficile de savoir au départ ce que serait le bon, la bonne statistique à utiliser. Und wäre es einem Profi möglich, das Ganze vielleicht auch nochmal durchzurechnen? Das spricht immer dafür, dass das eine ordentlich gerechnete Studie ist. Un moyen simple de savoir si ça a été bien été calculé, c'est de voir si toutes les données ont été données de façon exacte et si ça a l'air à peu près correct. Donc, il faut voir aussi s'il s'agit d'une corrélation ou d'une cause. Donc, si c'est juste des choses qui... c'est par hasard que les choses arrivent en même temps ou si vraiment A change B. Leute aufs Land ziehen, wenn sie Kinder bekommen. Und deswegen muss ich immer sehr darauf aufpassen, welche Schlüsse darf ich überhaupt ziehen. Il faut donc faire très attention à quelle conclusion je peux tirer d'une étude. Einfach wichtig, da nochmal drüber nachzudenken, wenn man so eine Studie liest, kann das überhaupt sein? Et de voir éventuellement s'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer les choses qu'on a trouvées. Ensuite, le peer review, regarder si l'étude a été publiée et si la publication utilise du peer review, c'est-à-dire qu'il y a d'autres scientifiques du même sujet qui ont lu l'étude et qui pensent que l'étude est bonne. Ce n'est pas toujours une bonne marque de qualité, parce que des fois, il peut aussi y avoir des problèmes que des gens sont très connus ou qu'on cite des collègues, mais c'est quand même généralement une bonne indication. Et ensuite, le impact factor. Donc, combien de fois une publication a été citée ? Ça ne devrait pas être trop important, mais plus une publication est importante et connue, plus elle a de choix dans les études à publier et elle prendrait dans ce cas-là les études les meilleures. Ça évite aussi les journaux prédateurs, les predatory journals. Und kann dann so ein bisschen einordnen. Also Impact Factor über 1 wurde bei uns im Studium immer gesagt, kann man zitieren. Keine so richtig feste Grenze, aber so zur Einordnung vielleicht. Gut, damit hätte ich so ein bisschen euch versucht, einen Einblick zu geben, was eine gute Studie ist. Jetzt wollen wir noch kurz... Donc voilà un petit fini la partie sur qu'est-ce qu'est une bonne étude. Et maintenant, quoi faire si on trouve plusieurs études avec des résultats différents? On en revient à l'exemple du bystander effect. Donc, plus il y a de gens qui regardent un accident, moins il y a de gens qui viennent aider. La base serait... l'histoire de Kitty Genovese, dont 40 voisins auraient entendu l'assassinat, mais où personne n'a vraiment réagi. Et c'est ce qui a poussé John M. Darley à simuler des accidents et de voir combien de gens étaient témoins de l'accident et combien de temps ça a duré jusqu'à ce que quelqu'un propose son aide. C'est quelque chose qui a beaucoup été trouvé et beaucoup discuté.
Et comme dit au début, il y a eu plusieurs résultats différents et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, il faut regarder de façon un peu plus critique. Quelle différence est-ce qu'il y aurait entre les études et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y a des résultats différents ? Ensuite, les méta-analyses et les reviews. Donc, quelle différence est-ce qu'il pourrait y avoir entre des études ? Par exemple, qu'est-ce qu'on a pris comme témoin ? Qu'est-ce qu'on a pris comme cobaye ? Des enfants contre des adultes. Et ça ne voudrait pas dire que l'une ou l'autre étude est meilleure, mais que le comportement d'enfants et d'adultes est différent. Ensuite, l'opérationnalisation. Est-ce qu'il y a plusieurs cobayes ou est-ce qu'il y a un seul cobaye ? Est-ce qu'il y a plusieurs acteurs ou une seule personne qui sait ce qu'il se passe et ainsi de suite ? Donc, comment regarder ce genre de différence, par exemple avec de la méta-analyse ou de l'analyse de modération. Donc par rapport aux méta-analyses, c'est une étude de plusieurs études et d'en faire une méta-étude. Donc l'auteur d'une méta-étude essaye de trouver sur un temps long toutes les recherches, toutes les études qui ont été faites à propos d'un sujet, explique les différences qu'il y a eu entre les différentes études. Et le calcul des effets de force. L'effet de force nous dit la force qu'a eu l'effet qu'on a étudié dans l'étude en conséquence. Donc la force d'effet, c'est quelque chose qu'on peut standardiser, donc qui est qu'on peut comparer entre différentes études. Ça permet de comparer les résultats de différentes études qui n'ont pas forcément des résultats comparables en eux-mêmes. L'exemple, ça serait la valeur D de Cohen, pour lequel un petit effet serait une valeur de 0,2, un effet moyen 0,5 et un grand effet 0,8. Relativ hilfreich, wenn man dann so eine Gesamteffektstärke in einer Meta-Analyse liest und dann drauf guckt, okay, ist das ein großer, mittlerer oder kleiner Effekt, dann habe ich schon relativ. Et dans l'analyse, dans l'étude, dans la méta-étude, ça nous permet de voir un effet complet, la force de l'effet complet qui permet de comprendre un peu plus la force de l'effet ou la moins de force de l'effet. Donc pour l'effet témoin, j'ai trouvé une méta-analyse qui a beaucoup d'auteurs. Je vous invite à regarder et à lire cette étude parce qu'il y a aussi des explications sur les différents résultats. Donc les reviews sont des Merci. Les résumés de ce qu'on sait actuellement sur les effets qu'on étudie, c'est souvent fait par des scientifiques de différents kann auch sehr praktisch sein. Genau, das wäre im Grunde das de différentes directions. Et on peut éventuellement réussir à comprendre des résultats différents. Maintenant,
Je voudrais conclure par les problèmes que connaît actuellement la science. Je n'essaye pas ici de vous vendre une image toujours positive de la science. En voilà trois. Il y en a bien plus, mais puisque mon temps est compté, je vais me focaliser sur ces trois problèmes. Le premier, c'est le p-hacking. Ensuite, il y a la crise de... De la reproduction des résultats. Commençons par le p-hacking. L'objectif est de pousser la valeur P dont j'ai parlé précédemment en dessous des 5%. Grâce à cela, eh bien, on peut faire en sorte que le test soit toujours significatif. Le problème est que c'est une forme de falsification. Et le pire, c'est qu'on peut difficilement s'en rendre compte. C'est un vrai problème. Il y a des approches pour essayer de d'éviter cela. Et un moyen d'éviter ce problème, c'est des études qui reproduisent la première étude pour essayer de découvrir du p-hacking. Évidemment, si l'on a des résultats différents, il ne faut pas tout de suite clouer l'auteur original au pilori. Mais on peut tout de même regarder comment est-ce que c'est arrivé et pourquoi. Par contre, il faut garder à l'esprit que le problème n'est pas résolu. En théorie, cette crise... n'est pas une vraie crise. Il suffit simplement de reproduire une étude pour vérifier ses résultats. En psychologie, par contre, on a connu une crise de ces études qui répliquaient des résultats. Et certains résultats, on a été incapable de reproduire certains résultats. Il faut faire attention au planning d'une étude. Il faut faire beaucoup d'essais sur beaucoup de personnes dans l'échantillon. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de réduire la probabilité de se tromper. Ainsi, on peut garder la valeur significative en dessous des 5%. Et si on arrive à faire cela, on peut essayer d'éviter des crises de cette réplication des études. Ensuite, je veux maintenant vous parler du biais de publication. Les études qui ont des résultats significatifs sont plus souvent publiées que celles qui n'en ont pas. Et donc, si on ne publie que les études qui ont eu un résultat probant et pas les autres, eh bien, on pourrait avoir une image faussée de la science. On a jamais entendu parler d'études qui ont échoué parce qu'elles n'ont jamais été publiées. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, on peut faire des corrections grâce à des méta-analyses. Il y a des processus statistiques qui permettent de corriger les erreurs. Et ça peut être très utile également de contacter les auteurs de méta-analyses.
Si je sais qu'un auteur a déjà étudié quelque chose, eh bien, on peut toujours contacter un auteur pour lui demander s'il a fait d'autres recherches sur ce domaine-là. Parce que s'il a échoué dans certaines recherches, eh bien, ça peut toujours être utile. Et on peut toujours voir s'il y a un rapport entre son propre sujet de recherche et les recherches d'un auteur qui aurait échoué. Donc, pour en revenir à notre question de départ, une petite conclusion. Est-ce qu'on peut faire confiance à des études empiriques ? Oui, mais, comme toujours. Donc ma conclusion serait que différentes études ont différents niveaux de qualité. Même des études qui ont été faites par des chercheurs sérieux ont aussi une qualité différente. C'est pour ça qu'il est important de soi-même se faire aussi une image de la qualité d'une étude. Irgendeinen Effekt in eine Diskussion einbringen möchte, nicht nur die Zusammenfassung aus irgendeiner Populärwissenschaft. C'est pour ça que ce n'est pas important seulement de lire les conclusions des études et qui sont publiées dans les revues de vulgarisation, mais aussi de lire l'étude pour comprendre soi-même ce qui s'est passé dans cette étude et est-ce que je peux faire confiance à cette étude ou pas. Ensuite, il faut comprendre les probabilités. C'est pour ça que j'avais expliqué la méthodique au début de cette présentation. Ce n'est pas parce que l'étude a trouvé quelque chose que ça doit être juste. Il faut bien garder à l'esprit que ce sont toujours des probabilités et qu'on n'aura pas de choses sûres à 100%. Ensuite, regardez aussi les méta-analyses et les reviews. Toujours aussi à garder un esprit critique, mais ces deux outils peuvent être utiles à comprendre les choses qu'on est en train d'étudier. Il faut aussi garder à l'esprit les problèmes qu'il existe actuellement dans la science. Et ma conclusion serait vraiment que la science que nous avons actuellement, c'est ce qu'il y a de meilleur qu'on a à disposition et qu'il faut quand même garder un esprit critique. Merci beaucoup. Kleiner Kommentar vielleicht zum Abschluss. Petit commentaire. Pour conclure, sur l'Octop Science et les autres études que j'ai ramenées, elles sont toutes consultables en ligne et vous pouvez le faire avec plaisir. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un petit peu de temps pour des questions-réponses. Il y a 8 microphones disséminés dans toute la salle. Peut-être que vous les avez déjà vus. Je vous propose de faire la file derrière ces microphones et je vais essayer de coordonner qui pose quand une question. Et tout d'abord, la parole est à l'Internet. Où est l'Internet ? Ah, voilà l'Internet. Il n'y a rien d'Internet ? Très bien. Commençons avec le microphone numéro 2. Bonjour. La probabilité d'erreur. In der vorgestellten Studie habt ihr 3% gesagt. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wo der Wert denn nun eigentlich herkommt. Tu nous as dit que des fois c'était 1%, des fois c'était 5%, que vous aviez dit 3%. Mais d'où est-ce que vient cette valeur ? Comment est-ce qu'on en arrive à cette valeur ? Quelqu'un a fait cette valeur et à la fin on en arrive à, par exemple, 4% et on décide que c'est significatif ou on en arrive à du p-hacking et on dit que c'est signifiant même si c'est 20%. D'où est-ce que vient cette valeur ? Bien, j'ai peut-être pas assez expliqué. Il faut garder à l'esprit qu'on va réfléchir avant l'étude à quel niveau on veut arriver. Est-ce que je veux arriver à une valeur de 5% ou 1%? C'est mon but.
Ensuite, je calcule grâce à ma méthode statistique une valeur. Cette valeur va être par exemple 3%, comme c'était le cas ici. On s'était dit au début, je veux être en dessous de 5%, je suis à 3%, 3% c'est moins que 5%, donc je dis que c'est significatif. Si on avait dit au début, non, je veux 1%, et qu'on est à 3%, on aurait dû dire, non, ce n'est pas significatif, j'arrête. C'est exactement pour ça que je dis que si on se pose des objectifs un petit peu plus élevés, eh bien on peut plus facilement arriver à des résultats probants. Est-ce que je réponds à ta question ? Non, pas vraiment, parce que je ne sais toujours pas que vient faire cette valeur dans l'étude. Est-ce que c'est calculé statistiquement avant l'étude ? Et est-ce qu'il y a des moyens de savoir, voilà ce que je veux atteindre comme valeur P ? Exactement, c'est ce qu'on calcule. On calcule cette valeur P grâce à une formule, et puis après, on va aller voir dans un tableau, et on arrive à une valeur P. C'est un petit peu compliqué, je peux difficilement rentrer dans les détails. Je ne peux que conseiller d'aller chercher un livre qui explique la méthodologie en sciences empiriques, en psychologie empirique, correction de l'interprète, et ensuite vous pourrez peut-être un petit peu plus savoir d'où vient cette P. Est-ce que il serait possible qu'on fasse plusieurs études sur les études sur plusieurs personnes pour faire une sorte de méta-étude sur les gens. Par exemple, pour dire si les gens réfléchissent ou pas, ou si les gens comprennent ou pas les études qu'ils lisent. Réponse, oui, on pourrait tout à fait le faire, mais je pense pas que là, ce serait un chercheur qui ferait l'étude, mais plutôt des assistants. Ce serait possible de voir comment ça se passe. J'ai déjà vu des cas où quelqu'un soumet ses résultats à quelqu'un d'autre pour être sûr que ses résultats soient probants. Microphone 5. Merci pour cette présentation. Außerhalb der Wissenschaft stehen oder außerhalb der Fachdisziplin die Ergebnisse von Studien nicht direkt aus den Studien bekommen. Je trouve aussi difficile que les non-scientifiques qui lisent ces études ne lisent pas la conclusion de l'étude en elle-même, mais lisent des articles sur les études. Et ce sont des endroits où j'ai vu déjà des choses très difficiles, parce que par exemple le département de relations publiques de l'université a complètement donné des conclusions différentes de ce qu'il y avait dans l'étude. Réponse. Donc c'était l'idée aussi de cette présentation, de pousser les gens à regarder un peu eux-mêmes dans les recherches pour en faire leurs propres conclusions. Microphone 7. Y a-t-il moyen de donner les résultats d'une étude à des personnes indépendantes pour bien s'assurer que notre valeur P, par exemple, est bien en deçà de la valeur maximale qu'on s'était posée? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a un phénomène qui est de plus en plus répandu. On dit par exemple aux journaux scientifiques, on envoie aux journaux scientifiques un abstract qui a déjà été vérifié. Et après, on peut plus dire qu'on a un résultat totalement différent. Ça existe. C'est, à mon sens, assez sensé. Mais ça ne facilite certainement pas le processus de publication. Je veux en revenir au niveau de significance de niveau P. Ce ne sont pas un critère de qualité de l'étude.
Donc le niveau P qu'on atteint dans une étude ne dit pas forcément que l'étude était bonne ou pas, ça nous dit simplement si on a trouvé un effet ou pas, que l'étude soit bonne ou que l'étude trouve quelque chose, que l'étude trouve un effet, sont deux choses indépendantes. 8. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Excusez-moi, il y a un peu de latence. Je voudrais rebondir sur le biais de publication. C'est un problème de science. Dans la science, qu'il faut beaucoup publier pour avoir un emploi dans la recherche. C'est quand même bizarre, alors qu'il y a déjà un problème de biais de publication. Alors comment répondre ? Il faut publier beaucoup pour avoir une bonne carrière dans la recherche. Je pense que je ne connais pas d'approche juste. Il y a des études qui sont publiées et qui sont très bonnes. Il y en a qui sont moins bonnes, mais malheureusement, c'est comme ça. Il faut publier pour avoir une carrière prolifique dans la recherche. La 2, merci beaucoup pour la présentation. Pour moi, personnellement, la dernière partie était la plus intéressante. Ce qu'il m'a manqué un peu, c'était les effets qu'il y a entre les différentes composantes des biais dans les sciences. Et qu'on se fixe sur ces problèmes, c'est aussi, ça renforce un peu aussi le problème. Réponse. Oui, ce sont en tout cas des effets qui sont corrélés, qui vont ensemble. C'est quelque chose qu'on essaye de garder à l'esprit pour comprendre un petit peu les problèmes qu'il y a sur les sciences et sur les études publiées. Mais je n'ai pas trop compris où tu voulais en venir, ce que tu voulais encore comme commentaire par rapport à ça. Ah, donc que le facteur d'impact conduit à du pay-hacking, parce que comme les études qui ont des effets sont les seules publiées, ça augmente la pression sur les chercheurs à avoir des études avec des valeurs P montrant des effets et qui produit du pay-hacking. De contrer le biais de publication, c'est quelque chose de relativement difficile. Parce que, en soi-même, en tant que chercheur, on n'est pas non plus très intéressé à lire 8 études qui disent « on a essayé ça, on n'a rien trouvé, on a essayé ça, on n'a rien trouvé », parce que c'est plus intéressant, les études avec des effets sont plus intéressantes. Il est midi 23, l'Internet vient de se réveiller. Oui, alors qu'est-ce qui se passe avec une étude qui se retrouve erronée après sa publication? Alors je pense que la meilleure manière serait de refaire une étude. Bien entendu, s'il y a vraiment une énorme erreur, on pourrait peut-être publier des errata, je ne sais pas. Personnellement, je dois avouer que là, je n'ai pas assez d'expérience. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne crois pas que ça soit arrivé à quelqu'un que je connais. Question suivante. Merci aussi pour la présentation. Je voudrais en revenir au challenge. Par exemple, les problèmes de réplication des études. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des journées scientifiques qui demanderaient à ce que des études soient faites plusieurs fois, soient reproduites? Réponse. Je ne connais pas encore de journaux qui demanderaient d'avoir au moins une
reproduction d'une étude, mais je connais des journaux qui demandent à avoir accès à toutes les données qui ont été mesurées pour pouvoir vérifier eux-mêmes éventuellement les données. Mais généralement, c'est plutôt les chercheurs en eux-mêmes qui officialisent toutes leurs données pour que d'autres puissent refaire aussi tous les calculs eux-mêmes. Micro 4. Ausrechnen in Fehlern der Psychologie und Soziologie macht man das ja sehr, sehr häufig, dass man sagt, man untersucht eigentlich das andere, aber will wieder das eine. In falschen Untersuchungsgegenstand? Also ja, wie du gesagt hast, zum Beispiel, dass man sagt, es geht um körperbehinderte Menschen, die mit dem Mund schreiben und gar nicht irgendwie ums Lachen oder Trauen. Ach so, so eine Cover-Story? Ja. Donc, la question est sur les histoires de couverture pour cacher le but final de l'étude. À quel point est-ce que c'est pratiqué dans la psychologie ? Réponse. Donc, les histoires de couverture ne sont vraiment que pendant l'étude, mais après l'étude, on explique aux gens le sujet de l'étude. Nochmal zu überprüfen, was denken die Leute eigentlich, was gemessen wurde. Et il y a aussi la recherche de savoir si les gens qui ont compris aussi pendant l'étude déjà de quoi il s'agissait pendant l'étude et éventuellement de ceux qui ont compris pendant l'étude de quoi il s'agissait dans l'étude, de les sortir des résultats pour ne pas avoir de résultats faussés. Est-ce que ça... Oui, ok. Internet a une question. On me demande la question suivante. Comment ça se passe avec un biais de financement ? Est-ce que ça aussi, ça existe ? Réponse, oui, évidemment. J'ai bien peur de ne pas pouvoir en dire beaucoup. Tout simplement parce que actuellement je n'ai travaillé que dans une université et il n'y a pas vraiment d'énormes financements derrière lesquels se cachent des intérêts particuliers. Là, je dois dire que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question sur les financements. Question suivante. Je voudrais savoir si on pouvait faire une sorte de système de notation des études pour dire, voilà, sur cette étude, il y a déjà la recherche de tel ou tel scientifique qui vont dans différentes catégories et puis qui sont notés. Et au final, on a un système où on peut dire, voilà, cette étude est probablement bonne parce que beaucoup de gens l'ont utilisée et beaucoup de gens l'ont jugée bonne. Et réponse, ça existe un petit peu dans le sens où on peut déjà regarder combien de personnes ont cité une étude. Alors si une étude a été citée beaucoup de fois, eh bien on peut espérer qu'il l'ait bien lue et que cette étude est vraiment bonne. Ça va un petit peu dans cette direction-là, mais je dirais que le problème d'un système de notation serait qu'on ne serait peut-être pas forcément d'accord. Comment dire qu'au final... l'étude mérite un 9 ou un 10. Un système de notation précis serait vraiment difficile, voire impossible à mettre en place dans la communauté scientifique. Nous en arrivons maintenant à la dernière question. Question sur les méta-analyses. Est-ce qu'il y a un nombre d'études qui serait nécessaire pour faire une bonne méta-analyse ? Est-ce que d'avoir 10 ou 100 études dans sa méta-analyse donne un gage de qualité ? La réponse est un peu difficile parce que dans des domaines relativement nouveaux, c'est difficile à avoir beaucoup d'études pour faire une méta-étude avec beaucoup d'études dedans.
Mais par exemple, pour l'effet témoin, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études dessus. Donc on peut avoir des méta-analyses très poussées. Le point le plus intéressant, ça serait de savoir dans la méta-analyse si les auteurs de la méta-analyse ont vraiment fait le maximum pour trouver des études à intégrer dans cette méta-étude, dans cette méta-analyse, comme par exemple chercher dans les journaux scientifiques, appeler les auteurs, et ainsi de suite. Si les auteurs de la méta-analyse se sont vraiment donné beaucoup de mal à trouver des études, ça montrerait plutôt quelque chose de...